Resalut tout le monde. Resalut tout le monde, nous revoilà pour le deuxième épisode sur Diablo 3. Ouais. Donc, on est niveau. Enfin, moi je suis niveau 5, toi aussi. Ouais. Donc, on va continuer. Ah, j'ai déverrouillé un sort. Ah, pas moi. Que je n'aime pas, mais que je vais quand même montrer parce qu'il a la classe. J'ai passé le plus clair de ma vie. Regarde ça. Cherche. Là, c'est même plus. Ah, dans Dragon Ball, j'en connais pas un quand on voit une grosse boule. Pas un Jinx là-bas. Mais Boum. Non, je connais pas ces mecs-là. Qu'est-ce que vous avez appris sur votre On doit aller tuer la femme d'un homme. Ah oui, qui est. Oh putain, je. Le jeu, en fait, je me rends compte que je le connais par cœur. Je pense que ça doit être le jeu que j'ai. Enfin, non, c'est pas le jeu que j'ai le plus joué, mais. Malheureusement, le jeu que j'ai le plus joué doit être Call of Duty. Et oui, j'étais jeune. Et oui. Non, mais faut pas insulter Call of Duty parce qu'il y a beaucoup qui jouent. Et... Non, mais. C'est chacun ses goûts. Ouais. Le jeu en général est bien, mais bon. Quand on a trop joué, on a trop joué. Ah bah oui. Ah direct à le bout. Boum, une petite boule par là, une petite boule ici. Là, j'envoie 3 boules, j'ai plus de mana. Pas de puissance à peine. C'est le seul qui s'appelle vraiment sorcier et ils n'ont pas mis de la mana quoi. Puissance arcane. Genre ils ont ça. Ouais, c'est assez intéressant. Ça. Faut savoir aussi qu'il y a un niveau caché. Ah ouais. Est-ce que toi t'as déjà réussi à y aller? J'ai jamais essayé, j'aurais bien voulu, mais j'ai arrêté Diablo, donc et comme j'avais pas vraiment, j'ai dans mon entourage y a personne qui joue, donc. Oui. Attends, faut le. Non, je l'ai pas fait. Ouais, c'est ça parce que j'ai pas. Moi, je l'ai pas fait non plus, mais j'avais déjà un début d'équipement quoi. J'avais récupéré 2 pièces sur 5 ou 6 pièces. J'en avais déjà récupéré. Oh. Moi non plus. Moi j'avais aucun stuff, je pense. Edric, mais ce serait sympa qu'on se le trouve. Mais il paraît que c'est très dur. Disons que là aussi c'est du aléatoire quoi. Ouais. Dites-lui de rentrer en mais disons que tu sais pourquoi ils ont installé ce mode. Oui. Tu sais. Ouais, parce qu'en fait c'est. Ils trouvaient en fait le Diablo 3 trop sombre. Puis ils voulaient un peu plus de couleurs, donc en fait ils ont carrément trollé le. J'avais entendu dire qu'en fait Diablo 3 est beaucoup moins sombre que les précédents Diablo. C'est surtout l'acte 2 quoi, l'acte 2 dans le désert. Attends, c'est là-bas. Ah oui. C'est parce que l'acte 2 est dans le désert, donc ils se sont dit ouais, c'est pas assez sombre et tout. Il y a beaucoup de gens qui ont râlé là-dessus. Et donc ils se sont dit bah, ils veulent râler. Bon, on va les avoir et on va appeler ça le Poney Land. Oui, le Poney Land. Je sais pas si c'est un nom particulier, mais. Je pense que c'est ça. Oh, le tir rapide, c'est là. Ah, t'as celui-là? Ouais. Ah, c'est monstrueux. Bon, il enlève pas beaucoup, quoi, mais c'est assez rare. Moi, je trouve terrible. C'est pas la classe. C'est un lore, moi, les plus grands. C'est plutôt le Genkidama que le Kamehameha maintenant. En fait, j'ai toutes les attaques de Goku si tu veux. Sauf le Super Saiyan. Ah si, il y a un Super Saiyan. Avec ouais, il y a un Super Saiyan. Dans le sort. Il transforme et tout. Je sais plus c'est niveau combien qu'on développe. Je crois que c'est niveau 20. C'est dommage parce que j'aurais bien voulu vous le montrer. Enfin, j'ai un deuxième petit, mais bon. Niveau 40. Alors bougez pas du tout, je vais baisser un peu le son du jeu pour qu'on puisse au moins entendre ce qu'on dit. Mets-toi là comme ça. Voilà, comme ça déjà. Ah, ça fait quand même du bien de jouer à Diablo. Ça faisait longtemps un moi bon aussi, ça faisait longtemps, franchement. Un bon jeu tout barbare, bien gore comme ça. Bah, tu sais que c'est en regardant tes vidéos que
J'ai vu que justement, t'avais Diablo 3, t'avais pas mal de. On avait pas mal de gens en commun. Je me suis dit, il faut absolument que je fasse des vidéos avec toi. Ah. Et du Ah, coup, pour le franchement, moment, je suis pas déçu de cette petite, comment dire, partenariat ou coalition à ouais. deux. Ça peut être sympa, ouais, c'est cool, quoi. Ouais. Ah, niveau 6. Ben, sachant que moi, ma chaîne est basée sur le fait qu'il y ait, que je vais pas toujours jouer au même jeu, comme ben, y a certains youtubeurs qui font Ouais. que le même jeu, ils font du Battlefield, du Call Moi non of, plus, n'importe. en fait, on a un peu en commun, c'est parce qu'on va pas jouer sur les mêmes jeux, en fait, on va J'ai beaucoup varié, diversifier, moi. quoi. Ouais, Ouais. voilà. J'aimerais bien faire une série sur Darksiders, mais je trouve pas le temps de le faire. Donc voilà. Alors, ah, voilà, t'as éclaté tout le monde. Alors là, il y a déjà un bleu, un joint or en haut. Ouais. Ah, éclair chargé. Cauchemar, en fait, il fait. Ouais. Attends. Ils vont Hop. vite, alors c'est assez Avec. marrant sur eux quand ils marchent vite, quoi. Bah ouais, les types ils font 100 kilos, ils courent ainsi. Tranquille. Non, mais disons, on voit que c'est pas réel, quoi. Ouais. En même temps, tu sais, un monde tellement dark avec un Poney Land, faut pas s'attendre non plus à quelque chose d'énorme. Hein. Pas d'énormément réel. Non, mais ça m'a toujours fait marrer, quoi. Hop, donc voilà, là on l'a Allez. tué. Hop, là. Attends, je vais mettre vite une rune. T'as déjà des runes? Ouais, la première. Donc les runes, en fait, vous avez un... Je crois que c'est... Là, vous avez 6 sorts. Vous avez 5 runes par sort, en fait. Donc ça modifie un peu l'apparence du sort. Et Ah oui, moi ça aussi je prend dois l'avoir. des... Ouais, je soit regarde. ses dégâts, n'importe. Là, j'ai l'impression que ça augmente sa vitesse. Sa vitesse. Faudrait que je... Attends, je vais vite lire la rune, comme ça je vous présente un peu aux gens, c'est quoi? Ouais. Augmente les dégâts infligés. Ah bah non, c'est qu'il n'y a que les dégâts là. Mais par exemple là. Ah bah non, là c'est un autre tour. Ah bah j'ai testé ce sort là. Moi j'ai peur. Flèche perforante. Excusez-moi, Ah en j'aime fait c'est. pas, j'aime pas. Apporte 50% de chance de transpercer de la flèche. Ouais, bon, bah on va pas la prendre, hein. Vu comme ça, quand tu vois ça, tu dis bof. Attends, j'ai vu une grotte. Ouais, là-bas. Ouais, faut peut-être. Normalement, faut pas forcément y aller, mais. Bah disons que il y a plus de chances d'avoir des équipements. Ouais. Mais je pense qu'aujourd'hui, on va juste tourner les deux premiers épisodes. Ouais, puis Et puis, dans le courant de la semaine. voir déjà ce qu'on fait, si vous aimez ou pas. Ouais. Bon, après, si franchement vous aimez le travail. J'ai pas envie de commencer à gratter des pouces verts ou quoi, loin de là. Mais ce serait surtout d'en parler autour de vous, de faire de la pub. Sachant Ouais, que s'il y a moi... des gens qui recherchent, qui veulent voir par exemple. S'ils seraient intéressés, par exemple, pour acheter Diablo 3, s'ils veulent voir des vidéos dessus, nous on peut le faire. Si ça peut Mais... inciter les gens, au moins l'essayer. Ça, j'ai vu le monstre, il est là-haut. Ouais, oh un jaune, encore, la classe. Par contre, moi j'aimerais juste dire un petit truc. C'est que Ah, il fait renversement. c'est aux gens qui mettent des pouces rouges ou quoi. Ouais, c'est très bien mettre des pouces rouges, vous avez pas aimé le travail ou quoi. Mais Bah, dites-nous pourquoi. ouais, déjà de 1 et de 2, ne pas mettre de pouces rouges sous prétexte qu'il y a déjà un youtubeur qui fait des vidéos dessus. Alors on se retrouve avec quoi? Un jeu par youtubeur? Ce serait, tu vois. Moi je Disons que. Ah bah il a fait une vidéo dessus, c'est pas la peine. Parce Ouais. qu'on a tous Le une. jeu a pas été créé pour une seule personne pour qu'il puisse faire des vidéos dessus. Le jeu a été créé pour tout le monde. Ça fait la différence, au moins on voit comment les gens perçoivent le jeu à leur manière. Mais parfois j'ai déjà vu des gens, tu sais, moi c'est pas mon cas, mais il y a un gars, il a fait une vidéo sur un jeu, genre le, je sais pas moi, le 1er février par exemple. Et Ouais. puis t'as un gros youtubeur qui fait une vidéo dessus le 30 mars, mais c'est le mec du 1er février qui a copié. C'est ça que... Voilà. Moi, je préfère moi, personnellement, si vous avez... Si les gens qui ont pas la maturité ou quoi de comprendre ça, ça sert à rien de vous abonner à ma chaîne. Après...
Ah, donc ça c'est intéressant, le nid de charognard. Il fait naître des charognards, moi j'aime bien. Ouais. Hop. Petit clic droit. Hop. Moi ce que j'aime pas c'est les arbres qui foutent du poison à terre là. Ah oui, mais ça. Qu'est-ce qu'ils sont chiants ceux-là. Bah je pense qu'on va y arriver bientôt. Hein. Ouais, en plus. Ou alors les. Quand t'as les. Tu vois les gros mammouths mais élite. Oui. Ils se dédoublent x10, un truc ainsi. Ah oui, oui. Première fois que j'ai vu ça, j'ai commencé à gueuler. J'étais là, ah, c'est quoi ça. C'est quoi ça. C'est du cheatage. Ouais. En fait, c'est que des illusions. Je pense qu'il y en a qui font pas de dégâts. Ouais, je pense aussi. Bon, après, qui peut vraiment savoir. Après, je me souviens plus. Bon, si quelqu'un qui s'est fait tuer par plusieurs mammouths. Merci de nous dire si c'est des illusions ou pas. Ouais. Là, elle est quand même grande, là, la map, là. Oh, un coffre. Ah, t'es tombé sur un coffre. Ah, ouais. Allons-y. J'ai un peu de stuff. Une écharpe. La classe. On va aller loin avec une écharpe. Bah, tu sais, toi, tu balances du gel, donc je me réchauffe grâce à mon écharpe. Lol, ouais, tu sors. Ok, je sors. Non mais dehors il fait froid, c'est vrai, en plus c'est tout sombre. Ouais mais, non mais arrête. Ok j'arrête. Attends, je vais vite mettre le stuff, je vais mettre mon stuff. Hein. C'est où, voilà. Oh, 23 d'armure, au lieu de 3. Ouais bon, pourquoi pas. J'ai envie de dire, c'est mieux. Ah, ça augmente mes dégâts. Pas mal, je passe à 7,70 de dégâts. Bon, c'est pas mal, sur le... Ouais. Sur le chasseur de démons, j'ai ça, mais fois 10 000, quoi. 77 000 de dégâts. Bon. On n'est pas à l'après de ça. Hein. Bah. Tu recommences, en fait. Faut refaire. Tu dis, ouais, je suis arrivé à la moitié. Ouais. Non, mais là, je suis loin de la moitié. Un 10 millième, tu vois, c'est quand même mal au cul. Hein. Donc, voilà. On va sûrement vous faire des vidéos sur LoL, à mon avis. Dans pas longtemps. Peut-être pas tout de suite pour toi. Bah, tu vas peut-être pas les uploader le même jour que moi. Parce que. Bah, ça dépend. Si on a l'occasion de se faire une vidéo sur League of Legends. Histoire de vous présenter le nouveau champion, Zach. Ouais. Que j'ai acheté. Puis moi, je vous présenterai un autre personnage plutôt que Elise, si vous avez pu voir les vidéos que j'ai fait. Avec Elise, qui est une vraie tuerie, je trouve. Ouais. Bah, c'est vrai qu'elle est assez monstrueuse. Moi je la kiffe bien, franchement, je joue assez souvent avec elle, mais vous inquiétez pas, je suis déjà en vue vers un autre personnage assez intéressant. Ah, un coffre. Tu peux lâcher. Oh putain, tout l'or. Ouais. Tu peux nous donner un indice sur le personnage. Il fera sûrement des attaques à distance. Toujours dans la magie, quoi. Je vais rester sur la magie. Ah, je crois que je vois c'est qui. C'est qui. C'est son prénom rime avec Anus. Non. Ah, dommage. Rime avec Anus, alors là, j'aimerais bien savoir. Bah, Varus. Ah non, non, non. Non, c'est pas sur Varus. Je peux vous dire aussi que c'est une fille. Mais quand je l'ai vu, quand j'ai vu ses attaques, je me suis dit, il faut absolument que je l'essaye. Elle coûte. Ah, sûrement Queen, non? Non. Mais elle coûte dans les 6300, si je me trompe pas. Ouais, Luc, ça m'étonnerait. Je vais vous laisser là-dessus. Ouais, ouais, je vais pas essayer de trouver le truc, quoi. Ça ferait vraiment le gros bâtard qui veut lâcher le truc. Ouais. Non, non, vous verrez sur la prochaine vidéo. Je pense que je vais essayer de gagner de l'argent pour faire la prochaine vidéo avec Zach en même temps que toi. Ouais. Et j'ai vu une vidéo où le gars, j'ai vu une vidéo, elle est assez marrante. Le gars qui a justement fait un KS sur le baron. C'est quoi un KS? Un killshot, en fait. C'est le killshot, en fait, c'est voler le. Par exemple, ça nous arrive des fois, tu sais, quand on tue un gars, puis que nous on arrive à la fin, on donne un dégât et il est mort à cause de nous. Ouais. C'est nous qui récupérons en fait le kill, quoi. Ça s'appelle le killshot. Et donc. Avec Zach, ouais, il y a moyen de faire des sales trucs. Zach, il a fait en fait. J'ai vu la vidéo. Tu sautes Zach, dessus, non? Non, il a fait l'élastique killshot pour arriver de l'autre côté. Et il a fait le killshot alors que c'était même pas lui qui les avait tués.
Quand tu sautes, non? Ouais, quand c'était... Sautes, ça m'est déjà arrivé, ça. J'ai vu, en fait, les bleus attaquer le baron. Et il y a... Il y a justement... Zach, qui était dans l'équipe violette, qui a vu ça. Et il attendait, en fait, le dernier moment. Dernier moment qu'il attaquait. Ah, des bleus. Des bleus, ouais. Et à ce moment-là, il a fait le killshot. Il a volé, en fait, le baron des bleus. C'était assez marrant. Franchement, moi, j'ai bien déliré là-dessus. Vous pouvez le voir sur un replay sur League of Legends. N'hésitez pas à le regarder. Vous verrez aussi toutes les techniques qu'il peut faire, Zach. C'est assez intéressant. Et pour ceux qui débutent sur LoL, moi, je peux vous donner qu'un seul conseil parce qu'on est tous passés par là. Bon, il y en a certains qui l'ont pas fait, hein, respect à eux. Le seul que je peux vous lancer, c'est si vous voulez stopper LoL, c'est normal. Ouais, ouais. Mais si vous galérez vraiment avec vos personnages ou quoi, je vous conseille d'aller sur le site de Millennium qui propose vraiment des stuff vraiment adaptés aux personnages que vous désirez jouer. Ouais. Donc sinon, ça vous aide vraiment. Sinon, n'hésitez pas à nous demander un personnage type. Nous, on essaiera de faire une vidéo sur le personnage type que vous voulez. Ouais. On étudie... Bon, moi, je suis plutôt tous les personnages puissance. Puissance, tout ce qui est mage à moi. Ah, j'ai une arbalète aventureuse. Alors, attends, mage et tank ou mage normal. Ah, j'ai mon première arbalète aventureuse. Ah. Je commence à avoir un peu de stuff là. Bon, je vais lâcher aussi un autre arc. Allez, hop. Et mon autre sorcier, il a quand même bien la classe, mais... Ah, c'est une deux mains, ce que j'ai. Une arbalète ? L'arbalète. À moins qu'il me faut des flèches. Non, non, pas besoin. D'accord. Oh, le truc de malade. En fait, le carquois, donc l'emplacement où, normalement, dans la vraie vie, tu mets tes flèches... Oui. C'est il comme un stuff, quoi. Non, mais c'est un... Ouais, voilà, il sert à rien. Généralement, il augmente ta vitesse d'attaque. Je me souviens, j'en avais trouvé un bon... C'était 20 ou c'est 12%, je sais plus, de vitesse d'attaque. Mais je sais bien que c'était assez bien. Même, je crois que c'était même légendaire. Ouais. Et voilà quoi. Et bon, moi au début, je suis arrivé en enfer, enfin en Armageddon. Oui. Et j'ai droppé une Manticore. Tu vois, c'est quoi la Manticore? Oui, elle est horrible. Légendaire et tout. Et en fait, moi, je regarde mon arbalète à moi. Oh, des bleus encore. La mienne était mieux que la Manticore. Oh la vache, et le dégât que je balance là-dessus. J'ai revendu la Manticore, moi. Ah, fallait pas la vendre. Ouais, j'avoue. J'ai foiré. Ouais, c'est pas grave. Ah, ils sont tous morts d'un coup. La mienne est vraiment énorme, hein. La mienne est épique. Donc vous vous demandez comment ça se fait qu'ils ont tous explosé d'un coup. C'est qu'en fait, c'est que quand les gros, ils explosent, ils infligent des dégâts, en fait, sur... déjà sur... sur les autres. Ouais. En fait, l'explosion inflige des dégâts, et comme ils étaient à côté... Ça va infliger des dégâts. Voilà. Ah, mais non. Je lève ma dague. Hop, voilà. Donc là, on vous commande pas vraiment de trop le gameplay. Parce que c'est vraiment du hack and slash. Donc, ouais, en fait, le gameplay, vous le voyez vous-même. C'est no brain. C'est... Voilà, pas besoin de réfléchir. Il suffit de taper, c'est tout. Quoi. Ouais. Puis comme vous le voyez vous-même, franchement. C'est vraiment... Après, je vais pas vous dire ce que je fais, si je fais clic droit, clic gauche. Ouais, ouais. Surtout que le gameplay est assez facile, donc... pour vous dire... ouais, j'appuie sur 1, j'appuie sur 2... Bon, je vais quand même vous présenter vite les attaques, mais... le 1, bah, il me sert à congeler. Hop, voilà. Le clic droit, il envoie les grosses boules, les grosses orbes. Et le clic gauche, ben bah, il envoie mon attaque de base, qui ne coûte pas de mana, ouais. De puissance. Quant à moi, le 1, il balance des pièges, ça ralentit les ennemis. Là, mon attaque normale, c'est les tirs constricteurs, c'est ce que vous voyez tout le temps. Ah, un or. Et là, j'ai tir rapide. Hop, voilà, vous voyez voilà, que ça fait des explosions. En fait, j'ai juste à en tuer un, après, ça suit à la chaîne. C'est assez marrant parce que. Ouais. T'en tues un, voilà. T'es pas obligé de tuer sur un en or tout de suite. Tu tues juste le premier. Ah, ça doit te faire plaisir, t'as droppé une écharpe. Ouais, encore une fois, je vais pas attraper froid avec ça. La mienne est nulle, de toute façon. Moi, j'en ai une qui rajoutait de la dextérité. Ça aurait été bien, enfin, je pense que t'as droppé la même. Ouais, je sais pas si on drop le même stuff ou pas. Je sais pas, je pense. Attends, je vais te dire ça. Tu m'as dit c'était quoi l'écharpe? Bah, elle rajoute de la dextérité, moi. Bon, je la trouve pas, l'écharpe.
Bon bah là je suis en train de tous les niquer sans toi. Hein. Bah ouais parce que moi je suis parti sur un autre côté. Ah ouais ok. Je sais pas t'es où. Ah ouais ouais en fait t'as pris de l'avance. Je pensais que j'étais en avance sur toi mais pas du tout. Ah bah, non, bah t'inquiète pas. Hein. On a... c'est bon on arrive de toute façon. Ils sont comme moi. On est bientôt arrivé. Ouais on est bientôt arrivé. Écoute, moi je sais pas si ça t'intéresse qu'on fasse la vidéo en trois parties. La troisième partie, ce serait tout le donjon en entier ou en bas le roi. Je pense qu'on s'arrêtera sur le début du donjon parce qu'il est assez long. Moi je pense que je vais faire la vidéo, enfin je vais faire en une seule vidéo. J'hésite encore. Moi je sais pas, mais je vais laisser en trois parties. Moi non, je vais laisser en une seule, je pense. En fait, je connais pas assez bien Sony Vegas pour. Si parmi vous, il y en a qui savent faire des intros gratuitement, ça m'intéresserait. En fait, je sais en faire, mais j'ai la flemme. Donc, si quelqu'un veut me faire ça, je lui ferai un petit peu de pub. Enfin, après, c'est pas avec l'audience que j'ai que ça va changer grand chose niveau pub, mais bon, pourquoi pas. En valeur, j'ai déverrouillé un pack. Ah, j'ai trouvé la zone où il faut y aller. Ouais. Bah, moi, je tue des monstres. Pour moi, j'ai trouvé le cimetière. Ouais, trouvé sur le chancelier de cimetière oublié. Donc, je regarde. Tu veux pas découvrir toute la map, à moins que ça sert à rien pour toi. Non bah, ça sert pas grand chose. Et là, je vais un petit peu détruire toutes les pierres tombales. Dans l'espérance où il y a un peu d'or, un peu de stuff. Bon, ce qui n'est pas du tout réaliste en soi, vu que vous n'allez pas détruire une pièce tombale, des bottes vont pas en tomber dans la vraie vie, mais bon. Ouais, bah disons qu'après c'est piller les cadavres. Ouais, surtout. Emplacement d'équipement vide. Oh, sérieux? Ah ouais. Aïe. Nul. Bon. Attends, je vais mettre ma rune de l'empaleur. Ça peut être intéressant, peut-être. Repousse la cible et donne 60 points de l'étourdi. Ah ouais, ça. Je vais revenir sur l'empaleur. T'es où, en fait? Je suis là. Ah, okay. Donc on va découvrir toute la map, puis on se laissera dessus, parce que t'as le choix, en fait, avec trois... C'est ça, t'as plusieurs entrées. Et si on tombe sur le bon donjon après. Ah, j'ai une rune. Attends. Je vais augmenter la puissance de mon Kamamea. Ah, en double ? En fait, il va givrer l'ennemi beaucoup plus. Ah ouais, on voit la différence. Ouais. Donc voilà, on vous laisse. On va vous laisser là-dessus. Ouais. Donc il y a trois portes. Ouais. Laquelle choisir ? Laquelle choisir ? Ça sera pour la prochaine vidéo. Allez, donc, salut tout le monde. Salut tout le monde, c'était Nidless85 et Ainervo HD. Allez, ciao tout le monde. Salut.